Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver de nouveau pour une nouvelle vidéo. Et si tu viens d'arriver ici, je suis Bruna. Je fais des vidéos sur l'entretien des cheveux, de la peau. Je parle aussi des sujets de société qui me passionnent. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet des femmes qui se redéfrisent après être retournées au naturel. C'est-à-dire les femmes qui étaient défrisées, elles sont retournées au naturel et après, elles sont rentrées encore au défrisage. Je pense que c'est un thème important, c'est un sujet important qu'il faut aborder parce qu'il y a beaucoup de d'anciennes naturelles qui se retrouvent dans ce cas, qui se sont malheureusement redéfrisées. Et je pense que c'est important d'en parler un peu pour pouvoir comprendre quelles ont été leurs difficultés, pourquoi est-ce qu'elles sont décidées de rentrer en arrière. Pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que j'imagine qu'il y a sûrement beaucoup de femmes naturelles qui se retrouvent dans cette position où peut-être pour une ou plusieurs raisons, elles sont en train de penser à redéfriser leurs cheveux. Et c'est aussi important pour les femmes qui ne sont pas encore naturelles et qui pensent à faire le pas, qui pensent à revenir au naturel. C'est important pour elles, pour qu'elles puissent comprendre certaines choses avant de faire le pas. Donc, la première raison pour moi qui peut pousser une femme à retourner au défrisage après avoir été naturelle, c'est le fait qu'elle soit rentrée au naturel pour de mauvaises raisons. Ici, quand je parle de mauvaises raisons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu de cela, il y a eu quelque temps et tout en Afrique, il y a ce phénomène, le phénomène du retour naturel qui a vraiment pris de l'ampleur. Chaque femme disait vraiment, je vais être nappie, je vais aussi essayer ce truc de nappie pour voir ce que ça donne, je vais aussi essayer la mode afro-nappie. Donc, retourner au naturel par suivisme, c'est une mauvaise idée. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui sont rentrées au naturel juste pour essayer et voir ce que ça allait donner. Elles se sont dit, bon, j'essaye aussi les cheveux nappis là, les cheveux crépus là, je vois aussi ce que ça donne. Elles l'ont fait peut-être parce qu'elles ont vu une amie qui a fait le pas, elles ont vu une sœur, ou peut-être parce qu'elles ont voulu suivre la mode, elles ont voulu suivre le phénomène de nappis et tout à l'époque. Et donc, le fait que tu retournes au naturel par suivisme, ça fait en sorte que tu ne comprennes pas vraiment l'ampleur de ce que c'est que retourner au naturel. Parce que il faut se dire la vérité, retourner au naturel, c'est comme un changement de vie. Ce n'est pas un truc banal, ce n'est pas juste un truc esthétique, ce n'est pas une mode comme malheureusement beaucoup le prennent. Parce que quand tu retournes au naturel, juste parce que tu prends ça comme la mode du moment, alors comme une mode, tu vas aussi t'en lasser. C'est comme un vêtement que tu pars acheter parce que c'est à la mode. Quand tu l'as pas encore acheté, tu es enthousiaste, tu es surexcité, tu es voilà. Dès que tu achètes le vêtement et tu le mets une, deux fois, tu t'en lasses et tu n'as plus envie. Donc c'est ça. Le retour au naturel, ce n'est pas une mode. Le retour naturel, c'est un changement de vie. C'est une nouvelle méthode de vie que tu vas adopter. Et il faut bien se rendre compte de ça avant de faire le pas. Parce que quand tu retournes au naturel, les débuts ne sont pas faciles, hein. Ça, il faut le dire, ce n'est facile pour personne. Donc, tu dois te préparer, tu dois comprendre ça avant de faire le pas. Sinon, à la moindre difficulté, tu vas te retrouver à vouloir retourner à te défriser. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, qui sont même naturelles et tout. Moi-même qui vous parle, ça m'est arrivé il y a quelques années où j'en avais marre de mes cheveux et tout. Il y a des moments comme ça, on appelle ça les bad hair days, où tes cheveux, vraiment, tu es fatigué, tu es fatigué de faire les routines tout le temps et tout. Tu craques. Moi, j'ai déjà eu à craquer à cause de mes cheveux. Et j'ai pensé à me redéfriser, mais après, je suis restée, j'ai un peu mis le défrisage et les cheveux naturels sur la balance, j'ai un peu pesé le pour et le contre, et j'ai vu que ça ne vaut pas la peine. Je me suis surtout rappelée de pourquoi j'étais revenue au naturel, parce que moi, je suis revenue au naturel parce que le défrisage avait tellement abîmé mes cheveux. J'ai commencé à me défriser les cheveux quand j'avais à peu près 10 ans et tout. On a commencé d'abord à souffler au Cameroun, on appelle ça souffler les cheveux. C'est une méthode de défrisage qui est soi-disant plus saine, mais c'est toujours nocif pour les cheveux et pour l'organisme en général. Donc j'ai commencé à me défriser très jeune. Et c'est quand je suis arrivée en Europe, j'ai arrêté le défrisage à l'âge de 19 ans et tout. Donc tu peux voir un peu, c'est à cause de ça, du fait que le défrisage avait tellement abîmé mes cheveux, je me suis dit plus jamais, moi je ne défrise plus mes cheveux. Et donc, quand j'ai eu ce moment où j'ai craqué et tout, et que j'ai pensé à me défriser, j'ai dit, mais Bruna, est-ce que tu veux vraiment rentrer à ça? Est-ce que tu veux rentrer à ces cheveux de chat que tu avais avant tout roux? Parce que le défrisage avait tellement rendu mes cheveux fins, c'était vraiment comme les
poils du chat, ils étaient fins, ils étaient roux, ils étaient cassants. Je me suis dit non, j'ai pesé la balance, je me dis mais entre le défrisage et le cheveu naturel, qu'est-ce qui est bien pour ma santé? Et là, il n'y avait pas mal. J'ai dit non, je vais résister et je vais continuer. Donc, c'est ça. Ne revenez pas au naturel par suivisme, par effet de mode pour essayer. Pensez bien votre décision. Il faut revenir au naturel parce qu'on se rend compte que d'abord, le cheveu crépus, c'est notre identité. On se rend compte qu'on veut valoriser vraiment ce que la nature nous a donné parce qu'on se rend compte que le défrisage, c'est une mauvaise chose et qui est dangereuse pour la santé. Et quand tu reviens au naturel pour ces raisons-là, il est très difficile que vraiment, même si tu as envie de te redéfriser, que vraiment tu sautes le pas et que tu le fasses. Donc, la deuxième raison qui, selon moi, puisse fait en sorte qu'une femme ait envie de se redéfriser, c'est le fait de se laisser dominer par les avis des autres, par ce que les autres pensent quand tu retournes au naturel. Voilà. Il n'y a personne qui va me dire que quand ses proches, les gens de son entourage l'ont vu avec ses cheveux naturels alors qu'ils étaient habitués à l'avoir avec ses cheveux défrisés ou avec ses extensions n'ont pas été surpris. Il y a toujours une surprise, les gens te posent des questions, voilà, tes cheveux sont comment, comme ça. Moi, j'ai eu des fois où on m'a demandé, mais vraiment, comment tes cheveux sont comme ça? Pourquoi tu laisses tes cheveux là comme ça? Tu ne te coiffes pas et tout. Tu ne te coiffes pas parce que moi, en fait, je fais toujours des twist-out en coiffure protectrice où je fais des trucs simples et tout. J'aime tout ce qui est simple, sans compliquer. Soit je fais des chignons comme ça, deux ou alors deux nattes et tout, voilà. Et donc, on a même demandé, mais tu ne te coiffes pas et tout, pourquoi tu laisses tes cheveux comme ça? Pourtant, moi, je sais que je suis coiffée. Mais dans la mentalité des Africaines sur le continent, des Africaines et des Africains, tu es coiffée quand tu mets les mèches, quand tu mets les extensions et tout. Donc, il y a ces remarques-là que quand tu reviens au naturel, si tu n'es pas vraiment une personne décisive, si la raison pour laquelle tu es revenu au naturel n'est pas vraiment assez solide, et si tu es une personne faible d'esprit surtout, tu vas chuter et tu vas te laisser influencer, tu vas être complexé par ce que les autres pensent et tu vas retourner au défrisage. Donc c'est ça. Apprenez que tout ce que vous faites dans la vie, que ça soit un choix de vie, que ça soit un choix sur votre physique, tout ce que vous faites, tout le monde ne peut pas aimer. Les gens auront toujours à dire, les gens auront le droit d'aimer ou pas. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. La vie est comme ça et ce sont des choses qu'il faut comprendre très vite pour pouvoir ne pas être complexé ou être frustré par ce que d'autres peuvent penser de ce qu'on fait. Quand tu comprends que les gens auront toujours à dire, les gens ne vont pas aimer tout ce que tu fais, quand tu prends des décisions, peu importe ce qu'on te dit, tu les assumes au fond et tu ne tâtonnes pas, tu ne cherches pas à changer ta décision parce que les autres t'ont dit que tes cheveux sont moches, tes cheveux sont ci, tes cheveux sont ça. Donc c'est ça. Elle retourne aussi au défrisage parce que malheureusement elles n'ont pas su s'affirmer, elles n'ont pas su assumer leurs cheveux face aux remarques, que les remarques parfois vraiment désobligeantes, et il faut le dire, que certaines personnes font quand ils le trouvent avec leurs cheveux crépus. Donc assumez vos cheveux quand vous retournez au naturel. Sachez que quand vous retournez au naturel, vos cheveux sont nouveaux pour vous-même et pour les gens. Donc il faut un temps pour s'adapter, il faut un temps pour les assumer dans toutes leurs facettes. Une autre raison qui puisse pousser les femmes à se redéfriser, c'est l'absence des salons de coiffure pour cheveux afro. Quand je parle ici d'absence, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. La majorité des salons de coiffure qu'on trouve sur le continent et même ici, ce sont des salons qui sont spécialisés dans les extensions capillaires ou dans le traitement des cheveux défrisés. Beaucoup de femmes noires aujourd'hui ont des difficultés à aller dans un salon qui est vraiment spécialisé, vraiment pro, et qui prend bien soin des cheveux crépus. Du coup, quand une femme qui vient de rentrer au naturel se retrouve face aux difficultés autour dans les débuts, elle ne sait pas vers qui se confier parce que c'est un peu facile de dire, moi je me mets à la place des gens, hein, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas la même patience et tout. C'est un peu facile de dire, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup de ceci et cela, mais tout le monde ne peut pas se coiffer. C'est pas tout le monde qui aime rester chaque samedi, chaque week-end, faire son shampoing, faire son ceci. C'est pas tout le monde qui a ni cette envie, ni cette patience-là. Et donc, s'il y avait beaucoup des espaces beauté, où une femme peut aussi se vanter, vraiment, je pars, il y a un salon de coiffure pour cheveux afro là-bas qui est chic,
je vais me faire belle, je vais me faire traiter les cheveux et tout. Si elles avaient cette possibilité d'avoir ce type de salon à des prix en plus raisonnables, pourquoi est-ce qu'elles penseraient à retourner au défrisage? Donc c'est ça, c'est vraiment cette absence, ce manque de salons pour cheveux afro vraiment pro, vraiment réputés et qui font vraiment de belles coiffures, qui mettent vraiment ces femmes à l'aise, qui leur montrent vraiment la beauté du cheveu afro, qui leur montre vraiment tout ce qu'on peut faire avec le cheveu afro, qui font en sorte que quand elles se retrouvent déboussolées, qu'elles en ont marre de prendre soin de leurs cheveux, elles se disent, ah, moi, je sais même pas pourquoi je me casse, mieux je me redéfrise et tout, comme avant, avant, je n'avais pas de problème. Elles savent en fait. En fait, ces femmes savent que le défrisage en soi n'est pas bon pour la santé. Elles le savent, mais elles préfèrent le faire parce que pour elles, elles n'ont pas d'autre alternative. Il n'y a pas des espaces où elles peuvent aller prendre soin de leurs cheveux et tout. Parce que le truc, c'est que quand elles se redéfrisent, elles le font dans les salons qui sont spécialisés, qui sont pas spécialisés. Je veux dire, en Afrique, la majorité des salons sont habitués au défrisage. Le défrisage et les extensions en Afrique, c'est la norme. Au Cameroun, je ne veux pas dire n'importe quoi, je parle de mon pays, le Cameroun. Je ne sais pas pour les autres pays d'Afrique. Je vous invite à me dire comment ça se passe dans vos pays. Au Cameroun, la norme, c'est le défrisage et les extensions. Du coup, quand tu parles, moi, j'ai entendu des femmes dire des fois que quand elles sont allées avec leurs cheveux crépus dans des salons pour extension capillaire ou alors des salons où on traite des cheveux pour défriser, la coiffeuse, face à son incapacité à prendre soin du cheveu afro de la cliente, lui a conseillé de se défriser. Elle lui a dit « cuis tes cheveux ». Au Cameroun, on appelle ça « cuis ses cheveux ». Vous comprenez un peu le mal, le problème. Donc, il faudrait que beaucoup de personnes, je pense que c'est l'occasion d'attirer l'attention aux personnes qui ont l'intention d'ouvrir des business, pensez aussi au business des salons de coiffure pour cheveux afro, vraiment des salons vraiment spécialisés, même si ce n'est pas spécialisé, au moins à commencer à ouvrir de plus en plus de salons pour qu'il y ait beaucoup de salons de coiffure pour cheveux afro et que là, il n'y a plus de raison de dire voilà, je me redéfrise parce que je n'ai pas de salon où on peut m'aider à prendre soin de mes cheveux. La dernière raison qui, selon moi, pousse les femmes qui étaient naturelles à se redéfriser, c'est le manque de patience. Elles ne sont pas patientes, elles se plaignent trop vite. Elles pensent que retourner au naturel, c'est une chose facile. Elles pensent qu'elles vont prendre soin de leurs cheveux crépus au début, comme elles prenaient soin avant de leurs cheveux naturels. Elles pensent qu'elles vont se lever le matin, prendre le peigne, passer sur leurs cheveux, passer sur leur tête comme elles passaient sur leurs cheveux défrisés, ça va couler, ça va glisser comme ça. Non, ce n'est pas ça. Le cheveu afro, ce n'est pas le cheveu défrisé. C'est deux cheveux qui sont complètement différents. Ils n'ont pas la même façon. Ils ne demandent pas le même type de traitement. Ils n'ont pas la même physionomie. Ils n'ont pas la même texture. Donc, quand tu retournes au naturel, tu dois savoir que tu as totalement changé. Ce n'est plus la même chose et tu dois te réadapter. Le retour au naturel demande une prise de conscience, une réadaptation. Et ça demande de la patience. La patience, pourquoi? Parce que la patience, c'est la patience pour prendre le temps de connaître tes cheveux. Parce que c'est quand tu as appris à maîtriser tes cheveux, ta texture, ce que tes cheveux aiment, ce que tes cheveux n'aiment pas, que tu seras capable d'accepter tes cheveux et que tu seras capable d'en prendre soin sans avoir envie de retourner au naturel. Donc, soyez patiente, s'il vous plaît. Je parle ici aux femmes qui ont l'intention de retourner au naturel. Quand vous retournez au naturel, sachez que les débuts ne seront pas faciles. Je ne veux pas vous vendre le rêve et tout. Sachez que les débuts ne seront pas faciles. Ça sera difficile. Vous allez détester vos cheveux. Vous serez complexé. Vous vous sentirez laide. Vous vous sentirez moins belle par rapport à avant. C'est normal parce que vous changez. Toute transformation au début fait comme ça. Mais après, vous vous habituez. Donc, cultivez la patience quand vous retournez au naturel. Donc voilà, c'est ça mes amours. Voilà un peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Ce n'est pas pour juger celles qui sont retournées au naturel, mais c'est juste pour faire comprendre un peu ce phénomène de quitter celles qui sont retournées au défrisage, pardon. Mais c'est juste pour faire comprendre ce phénomène qui consiste à être naturel et à se redéfriser. C'est juste pour comprendre. Peut-être ça peut édifier certaines et leur amener à revoir un peu leurs décisions au cas où elles voudraient se défriser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.